c'est donc un spectacle de théâtre visuel, de théâtre d'image, qui va parler des villes nouvelles, de la vie dans les villes. Donc, c'est un spectacle qu'on a commencé à travailler 5 petits jours à Montbéliard, au mois de novembre de l'année dernière. Et c'est un spectacle où il y a aussi une grande partie de théâtre de marionnettes, d'automates et de vidéos. Donc c'est l'espace, vous avez eu un aperçu, donc l'espace va évoquer ces villes nouvelles, va évoquer les villes nouvelles tant qu'on les a rêvées il y a quelques décennies, aussi ce qu'elles sont devenues, aussi la façon dans laquelle maintenant on les pense, on les vit, donc avec des mesures plutôt métropolitaines, de mise en réseau, d'assembler plusieurs parties, etc. Donc l'envie de travailler sur ce thème-là, il vient dans une continuité du travail de la compagnie. Et bon, Mécanica, c'est une jeune compagnie, mais de mes compagnies dans lesquelles j'ai fait partie avant. J'ai beaucoup travaillé sur les réalités, sur des réalités virtuelles, sur de la réalité aussi dans le monde, dans la réalité telle que telle qu'une où il y a plusieurs réalités à la fois. Et du coup, entre le travail, donc dans mon précédent spectacle, c'était Plug, c'était un travail sur la réalité virtuelle, précisément. Donc il y a toujours un versant de la thématique qui m'intéresse beaucoup, c'est cette vie seule au milieu d'un réseau de plus en plus grand. Et dans les villes nouvelles, ça vient aussi d'une expérience personnelle, que je vis dans une espèce de ville nouvelle, à Rennes. Donc, et aussi en allant à Ivry, dont il y a environ 2-3 ans, en tournée et en résidence, je me suis aperçu que ces espaces-là, en fait, j'étais plein dedans dans le plug, dans ce spectacle, et je me suis aperçu que ces espaces-là, il y a des moments où on ne sait pas où est le sol. Donc il y a tout un environnement qui nous met dans une situation où où les paramètres changent et où plastiquement c'est très intéressant. Parce que les villes nouvelles, souvent celles qui ont été faites il y a quelques décennies, elles ont eu un facteur important, c'est qu'elles ont été construites dans une époque où l'économie ça allait. Et du coup, ce sont des villes nouvelles qui ont été construites vite, en pensant toujours dans une certaine maintenance qui n'a pas été faite, souvent. Donc l'usure des matériaux qui sont usés, qui sont des nouveaux matériaux de l'époque, et ils ont eu une usure qu'après l'humain a intervenu. Donc il a eu l'apparition de tous ces arts urbains, et entre les graffitis, d'autres interventions, d'autres... Et c'est devenu plastiquement un élément que je trouve assez intéressant. Des fois, ce ne sont pas des réussites, mais il y a de l'humanité là-dedans, dans une chose qui devait être fonctionnelle, voire froid. Donc c'est ça les points d'intérêt plastiques. Donc l'espace scénographique il va évoquer ces endroits. Tel qu'on est dans l'écriture en ce moment, donc c'est le tout début de la création, on a divisé le spectacle en 4 moments différents. Donc le premier moment, c'est une installation plastique pour que le public va déjà faire part, normalement dès l'entrée dans la salle. Donc il va avoir une installation plastique où il aura plusieurs marionnettes, des éléments marionnettiques qui seront par terre,
donc au niveau du sol, plusieurs sculptures. En haut, donc comme flottant, il aura plusieurs matériaux qui vont évoquer des masques qui pourront évoquer ces espaces architecturaux, ces angles, ces points de vue, ces fenêtres, des bâtiments, etc. Mais qui seront comme en flottant, comme deux espaces où un attendant l'autre. Voilà, c'est ce qu'on appelle la partie du rêve, du projet. Donc c'est le projet d'une habitation, c'est le projet qu'on imagine pour une population, pour cet espace-là. Donc vous avez bien compris, c'est au niveau symbolique. C'est pour ça aussi que la marionnette, elle prend toute sa place là, parce qu'elle est déjà un symbole en soi-même. Donc c'est au niveau du symbolique que cette installation est pensée. Le deuxième moment, c'est le moment de la contemplation de cette installation qui est brisée par des mouvements. Donc il commence à avoir un mouvement des personnages vers le haut, des mouvements des panneaux qui puissent descendre. Donc ces panneaux sont aussi des écrans de projection fragmentés. Donc puissent descendre, des bras articulés, vous avez là un exemple, des bras articulés qui puissent manipuler. Là, dans ce cas-là, on a travaillé dans ces petits 5 jours qu'on a eu de travail, on a travaillé sur cette complicité entre des éléments de maquette transparents, translucides, opaques, pas opaques, et le mouvement de ce bras articulé aussi pour une intuition qu'on avait par rapport à ce projet-là, que je vous parlerai plus tard. Donc il y a ce moment, cette contemplation de cette installation qui est brisée, donc par cette chorégraphie de plusieurs éléments. Et là, c'est ce qu'on appelle le moment de la construction. Voilà. Le troisième moment, c'est le quotidien. Donc là, on arrive dans un espace qui va symboliquement représenter la vie dans cette ville, dans cette Babel, parce que ce sont souvent aussi des endroits où il y a beaucoup de mélanges. Donc par mon accent, je pense que vous avez compris que moi j'aime bien le métissage et le mélange culturel et de plusieurs personnes. Donc il y a ce troisième moment, c'est le quotidien, donc où il y aura des rencontres de certains personnages, de cette foule, où il y a aussi des représentations des foules, des mouvements des lumières, de plusieurs personnes, qu'on puisse apercevoir dans la ville, telle quand on fait un traveling, tel qu'on voit souvent dans le cinéma, avec tous ces mouvements de lumière, de texture, de paysage, les angles qui nous font des surprises. Ce que je parlais tout à l'heure sur cette sensation de ne pas savoir où était le sol, parce qu'il avait tellement de plateformes, tellement de choses. Donc là, dans ce quotidien-là, on va avoir des personnages qui vont être présents, des personnages marionnettes, et aussi des personnages marionnettes vidéo, et qui vont représenter des scènes du quotidien, des rencontres entre plusieurs personnages. Donc ça, c'est une phase de création qu'on va entamer pas plus loin que demain déjà avec le dramaturge de l'équipe. Donc on va commencer à écrire des possibles personnages, quel genre de personnages ça nous intéresse de parler. Donc là, c'est la troisième partie, c'est le quotidien. Donc après, il y a 5 parties. Donc la quatrième partie qui est liée à la troisième, donc 3 bis, c'est où c'est ce que je voulais vous parler par rapport à articuler cette intuition-là. C'est qu'on va faire un des défis de la pièce aussi, c'était de mettre en défi deux genres de manipulation. Donc la manipulation humaine. Moi, manipulateur, je manipule la marionnette, et la manipulation automatisée, donc avec des éléments
automate ou manipulé par des moteurs contrôlés par des logiciels appropriés. Donc dans cette tentative-là, on a commencé parce qu'on s'est dit c'est peut-être très différent, peut-être c'est pas la même organicité, est-ce que la différence est trop grande, et là on est arrivé à trouver que par exemple cet élément tel que Michel Ozeret ici présent le construit, il permet en fait un genre de mouvement qui est parfaitement compatible, qui est parfaitement expressif aussi et qui entre en dialogue avec une manipulation humaine. Donc là, on a senti ça par rapport à la manipulation de la lumière, mais je pense aussi que par rapport à la manipulation et certaines expériences qu'on a pu faire dans d'autres spectacles, ça nous permet aussi d'avoir cette intuition, que certains éléments d'une manipulation automatisée, c'est intéressant aussi parallèle avec celle-là. Et ça nous permet d'avoir alors la cinquième partie, c'est une partie plus métaphorique qui est les personnages qui sont certains personnages, surtout les personnages manipulés avec l'humain, elles sont prises avec une sensation sont prises de la gravité, donc ils prennent des élans de hauteur. Donc c'est c'est une chose qui est venue aussi d'un certain parcours, de certaines recherches. Par exemple, j'ai toujours eu la sensation que le mythe d'Icare, et d'autres histoires, Cyrano de Bergerac, etc., qu'il a toujours Vertigo pour l'auteur, etc., qu'il a toujours une tendance, qu'il a toujours cette volonté, ce rêve ancestral de l'envol, ce rêve de s'enfuir de la gravité, d'être plus fort que la gravité. Donc on peut voir dans toutes les mythologies, mais aussi dans ce qui est sport extrême, dans ce qui est déjà aussi dans la religion, mais aussi dans cette tendance, par exemple, qu'il y a maintenant de toutes les reprises des super-héros. C'est rare un super-héros qui ne vole pas. S'il ne vole pas, il saute très haut. Donc et c'est intéressant cette persistance de ce rêve-là. Donc il y a un moment dans cette pièce-là où ces personnes-là aussi, de mon expérience personnelle de vivre dans un immeuble assez grand, assez haut, et il y a aussi cette joie, ou ce plaisir aussi de vivre dans une hauteur, de voir plus haut, il y a une vision globale de la réalité. On voit plusieurs tableaux, c'est comme aller à la montagne. C'est des fois le même sentiment. Donc dans cette partie-là, ces personnages, ils vont trouver, c'est comme s'ils avaient un rêve antérieur en eux, qui soit différent de la masse, mais tous, ils nourrissent ce rêve-là. Donc c'est comme une symbolique de cette rêve d'auteur, de cette rêve de liberté aussi. Donc c'est l'ambivalence en fait de ces espaces-là qui m'intéresse aussi dans ce thème-là. C'est l'ambivalence entre, sont des espaces que souvent socialement c'est très dur, humainement c'est très dur, en même temps sont des espaces où il a cette hauteur, où il a la rencontre humaine, où l'humain il existe aussi malgré une fonctionnalité que des fois ça mène plutôt à la froideur. Donc, nouveau, il questionne la vie dans les villes utopiques et leur existence. C'est plutôt comme une caméra que va voir ces espaces de vie, mais aussi ces espaces de rêve, ces espaces entre la construction de ce quotidien et aussi ces paradoxes. Voilà. On peut ouvrir le shutter, s'il vous plaît.
Donc là, c'est un peu un autre travail qu'on va développer dans ce projet-là. C'est pour tout ce qui est tout ce qui est tout le travail vidéo. Il permet aussi d'analyser un des aspects assez intéressants, que c'est cette usure de matériaux, ce passage du temps, tel la mémoire. Donc la vidéo. On développe un travail depuis quelques années dans la vidéo et elle est toujours prise souvent comme un espace de mémoire, comme un espace de récit qui alimente, qui nourrit la globalité du spectacle d'une façon comme les marionnettes. Quoi. Pour nous, la vidéo, c'est un peu, on la malfaite, si on la façonne. Telles les marionnettes aussi, on envoie dans des endroits, on la manipule, on improvise. C'est une des choses qui nous intéresse beaucoup dans ces nouvelles technologies aussi, c'est que maintenant les logiciels nous permettent d'avoir une rapidité d'improvisation. Il y a quelques années, on ne pouvait pas. Donc, quand on travaille avec des personnes comme mes deux acolytes, que puissent programmer très vite, puisse être à la vitesse de l'improvisation. Donc là, c'était c'est quelques exemples très très simples d'une façon qu'on peut travailler aussi. Certains espaces peuvent devenir d'une couleur, ils peuvent devenir d'une matière. C'est comme la mémoire de ces espaces qui changent, c'est de la lumière. Il y a aussi certains personnages qui peuvent être une caractéristique plastique différente peut être aussi intégrée dans ces bâtiments parce qu'il y a, j'espère que vous avez bien compris, il y a un espace dans la pièce où le quotidien il intègre la ville. Donc c'est entre le premier moment où un se rencontre avec l'autre, quand ils se rencontrent, ils font les deux parties de la même existence matérielle. C'est pour ça aussi l'intérêt d'utiliser des marionnettes, d'utiliser des matériaux entre translucides, aussi opaques, c'est pour faire une fusion entre cette existence, cette présence humaine et ces espaces d'architecture. Voilà. Donc ça permet de faire des envols aussi. Donc maintenant, je vais vous présenter... Ah non, il y a encore d'autres éléments qu'on peut intégrer aussi. Sans les fenêtres. Ah oui, est-ce que vous pouvez baisser un peu, là, s'il vous plaît. Merci. Donc, je vais vous présenter notre cher parrain, qui est là, dans cette fenêtre-là. Donc, il est un peu un avatar de lui. Voilà, il est là. Donc, je pense qu'il va parler avec vous un petit moment. Bonjour à vous tous. Je suis Yannick Marzin, directeur de la scène nationale du Pays Montbéliard, qu'on appelle aussi ma scène nationale. Je suis malheureusement pas avec vous physiquement à Dreux aujourd'hui, mais voilà, quelques images à propos d'un très très beau projet que je souhaite soutenir et d'un artiste... riche, qui vient souvent nous visiter ici, qui s'appelle Paolo Duarte. Donc la scène nationale du Pays de Montbéliard est une scène nationale qui est le résultat du rapprochement de différentes structures, quatre structures qui ont été regroupées depuis janvier 2011. C'est à ce moment-là que j'ai été recruté. Et parmi ces quatre structures, il y en a une qui s'appelle Ars Numerica, qui est donc une scène numérique, qui est directement l'héritière du CICV, voilà, qui consiste en un lieu de création, de production, destiné vraiment à toutes les écritures contemporaines et numériques.
C'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré la première fois Paolo sur un projet qui s'appelle Plug, qu'on a eu la chance d'accueillir ici en résidence de création, et qui m'a redemandé ensuite de pouvoir être soutenu de nouveau pour son prochain projet qui s'appelle Novo. Ce qui m'intéresse particulièrement dans le travail de Paolo, c'est sa capacité incessante à se renouveler en fait dans ses recherches. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il vient avec une équipe de production, chaque projet, c'est une nouvelle aventure et en même temps, il continue, il garde le cap, c'est-à-dire du monde de la marionnette. Il poursuit, explore et arrive à y mêler notamment des tas d'autres collaborateurs, créateurs, musiciens ou numériques, pour obtenir au final des projets qui sont toujours, pour ma part, très inspirants. C'est-à-dire qu'il y a un renouvellement constant d'une écriture, d'un rapport au public et puis de cette fameuse marionnette. Je dois avouer, et je l'ai dit à plusieurs reprises à Paolo, et pour autant on continue à travailler ensemble, c'est a priori pas mon domaine de prédilection, mais avec Paolo, je découvre en fait toutes les possibilités qu'offre la marionnette, notamment à travers ses yeux, à lui, ses manipulations, et puis les collaborations qu'il envisage à chaque fois. Ensuite, d'un point de vue purement humain, ce qui n'est pas inintéressant quand on travaille avec des équipes artistiques dans une structure comme celle-ci, où on a un peu plus de 180 levées de rideaux par an, donc on voit et on accueille beaucoup d'artistes et beaucoup de compagnies. Paolo, quand il arrive avec ses collaborateurs, ça se fait toujours très facilement, très simplement, et en même temps avec une très grande écoute auprès de l'ensemble des équipes, notamment l'équipe chez nous qui s'appelle la plateforme créative, qui aurait pu s'appeler, en tout cas qui est l'avatar de l'ancien service d'action culturelle, où on travaille énormément avec les artistes sur une relation avec l'ensemble de nos publics sur le territoire. Et là aussi, encore une fois, Paolo se montre toujours très attentif, très inventif, nous permettant d'organiser des rencontres avec les publics, mais aussi de faciliter d'une manière générale la rencontre de son œuvre et de son travail, tant avec notre équipe qu'avec l'ensemble des autres équipes artistiques ou les publics et les non-publics, en fait, d'une manière générale. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je souhaitais pouvoir continuer de m'impliquer dans le travail et la vie de la compagnie de Paolo, donc Mecanica. C'est une collaboration qui s'est développée et qui va continuer à se développer, je l'espère. Nous allons accueillir évidemment Nobo l'année prochaine dans notre programmation. Puis nous allons continuer à inventer avec lui d'autres médiums pour rencontrer toujours plus d'artistes et du public. Voilà, j'espère que malheureusement, cette interview remplacera pas une présence, mais que j'aurais pu vous donner l'envie, en tout cas, intérêt pour le travail qui est porté par Paolo depuis Rennes. À bientôt. Je lui ai demandé d'envoyer la vidéo, donc je ne l'ai pas forcé à dire quoi que ce soit. Donc je vous présente Michel Ozeray, Morgan Dagné. Après, les autres sont aussi en avatar. Donc il aura Igor Gendre, ici, un autre portugais pour moi. Il aura aussi Alexandre Jochevski. Il aura aussi Fabien Bossard, Nicolas Lièvre. Il y a Véronica qui est par là. Voilà pour. J'oublie quelqu'un? Donc, pour l'équipe, c'est ça. Je vous montre, parce que là, c'est une maquette de travail. Oui. Quelques minutes. Oui, vous pouvez fermer. Non, non, non. Hein? Juste quelques minutes. D'accord. Donc, là, c'est une maquette de travail, donc de travail de recherche de. Déjà pour utiliser cet engin, aussi pour certains matériaux et tout ça, mais ce n'est pas la dimension de
la scénographie finale, telle qu'on l'imagine. Donc, j'ai emmené une marionnette, et là, vous pouvez fermer. Non, pas forcément.